Eh bien, salut tout le monde, on se retrouve donc pour une nouvelle et dernière vidéo de Pêche du Brochet, donc saison 2021-2022. Alors, dans cette vidéo, nous sommes le 28 janvier. Vous avez pu voir dans les deux dernières vidéos que j'avais pêché des petits amortis en amont de barrage, donc des zones assez simples. Et j'avais donc testé l'attractant qui est à la base des tripes et du foie de volaille en train de pourrir à la base pour le silure. Mais j'y ai fait mariner donc mes leurres, à savoir donc des petits one-up 3 pouces. Donc j'ai décidé de tester grandeur nature en comparaison avec Joe, donc cette technique. Donc vous allez voir à travers cette session qu'est-ce qui a marché, est-ce que lui ou moi a marché mieux que l'autre. Donc moi je suis resté toute la session avec le même leurre, donc un petit leurre one-up 3 pouces, et Joe lui a alterné divers leurres souples. Donc je vous laisse avec la vidéo, j'espère que vous allez apprécier. Donc là j'avais mon leurre souple gorgé dans la sauce attractant donc. Et puis vous allez voir ce qui s'est passé au cours de cette dernière session donc de fermeture, et nous étions le vendredi 28 janvier 2022. Allez, merci à tous, à plus tard. Le silure! Le silure, il dort en ce moment. Poisson! Poisson direct! Poisson direct! Eh, j'en dis kayak, direct, j'en dis kayak. Je t'avais dit que c'était la bonne zone. Par contre, eh, je fais comment moi? Moi je suis emmêlé. En plus c'est dans les herbiers, regarde, dans les herbiers. Oh putain, 1,50 1,50. Putain, moi je me suis accroché. Non mais là, hé, tu peux pas sortir de la poisson. T'as une épuisette? Non, j'ai pas d'épuisette. Oh, maîtrise. Parce que là, tu vas faire un petit défi de ramener par là. Bouge pas, ouais, on va y arriver. On va réussir à rien. Elle est pas vilain, non? Ouais, il est pas très gros, c'est tout ça. T'es tanké? Merde. Il va ça va se décrocher, ça peut-être. Ah putain. Ouais, le problème, c'est ça. Hein. Ah bah, c'est l'herbe. Ouais, moi je te dis qu'il était peut-être pas si vilain que ça. Bah, chef, là, t'es en train de remonter, là, il y a l'herbe, il y a tout, là. Je sais pas ce que t'es en train de remonter, Jordi, mais. Ah, mais j'ai vu le poisson, hein. Ah merde. Ah putain. Ah voilà, j'ai niqué. Ah non, il est là. Il est là, il est encore au bout. Il est encore au bout. Oh, j'ai rempli la boîte. Oh putain, le con. Oh là 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 là, la merde, hein, c'est toi. Ah putain. Putain, il n'y a pas d'eau. Il y a trop d'eau. Non, mais faut le ramener en surface comme ça. Oh là là, bah ouais. Je vais te dire, moi. Je maintiens la tête. Attends, parce que il est à deux doigts de se décrocher, le bordel. On va le faire échouer, c'est bon, rien. Un peu. Voilà. Ce petit broc. Ouais, il fait quoi? Il fait 60 équipes. Putain, le mini one-up, hein. Ça y fait, hein. Hey, la sauce. La sauce. La sauce. C'est beau, ça. C'est beau, c'est beau. Sauce, elle a quelque chose. Elle a quelque chose. Ouais, normalement ça va filmer, ça. Je pense, hein, ça clignote. Là. Attends, je vais me mettre. Bon, je connais bien. Voilà. Bon, il doit faire, je sais pas combien. Peut-être 70, je sais pas. Ouais, je vais le mesurer, je vais essayer. T'as un mètre? Ouais, j'en ai un, sinon. Je crois que je l'ai. Ah, ouais, juste sur le bord. Hein. C'est vrai que tu m'étonnes à deux. Regarde, le leurre, il vient pour abîmer, c'est bon. Impeccable. Oh, l'américain. Ouais, ouais, il a de belles couleurs, il est où? Regarde, 70 piles. Putain, bien. Bien, bien, bien. Un pec. Ouais, tu l'avais dit, hein, en plus, hein. La zone là t'occupe. Allez là, le beau petit poissonnier. Ça repart bien. Et voilà. Un pec. Même pas, dommage.
Oh, j'ai la... Oh putain, poisson. Oh putain, c'est gros. Oh putain. Eh, je te jure, je suis un fou. Eh, je sais pas ce que c'est, je sais pas ce que c'est, ça m'a pris dans le centre. Je te jure, ça m'a pris dans le centre. Eh, je te promets, et je sais pas ce que c'est qui m'a pris, hein. Regarde, ça me pompe dans le centre. C'est pas un silure, c'est sûr, mais il y a un truc qui m'a pris dans le centre, eh. Je me suis pris ça au moins en 4 tapes, et j'espère que c'est pas une perche record. Eh, si c'est une perche record, t'imagines, parce que j'ai vu que c'était rond. J'ai vu que c'était rond. C'est pas un brochet, ça. Ça doit être beau. Oh, si, c'en est un. Il fait 80 le brochet. Oh putain. Je te jure, il fait 80. Il est plus gros que l'autre, ça, c'est sûr. Ah bah oui, oui. Putain. Ah, putain, il va me refaire le même coup. Faut que je lève tout de suite en surface. Il est plus fat en tout cas. Peut-être pas plus long, mais plus fat. Putain, on aurait dit presque un cendre. Ah, j'ai cru que c'était un cendre au début. Ou je sais pas, une grosse perche. Je me suis dit, putain, j'ai une grosse perche. Moi, je vais faire remplir la botte d'eau. Putain, regarde comment il. Vous l'avez dessert un peu, il va te péter, hein. Ah, le one-up, il est bien pris, là-bas, sur le bord. Oh non, on n'a pas d'épuisette. Putain. Oh, ah, faut que je relâche. Ouais, il est passé dessous. De toute façon, il était passé dessous. Je vois pas le sens dans lequel... Est-ce qu'il faut un gros bout de bois pour essayer de soulever les... C'est vrai que je force pas plus, mais là, j'ai plus de tension avec lui, c'est sûr. Tu tapes le machin, tu casses. Ouais. Voilà, c'est bien, c'est bon. Allez, déblaye, putain. Oh putain, il repart. Oh merde. Monsieur Luce, comme nous avons 20 minutes pour monter, nous allons en profiter pour faire un petit cours sur le planté du bâton. Fais gaffe, hein. Je vais encore me remplir une botte. Putain. Attends. Ah non, t'es pas en vélo aussi. Non, c'est que ma ligne est cassée. Ça passe, c'est que mon bout de canne est pété. Allez, tape, bon Dieu. Il faut plus long, il faut plus long. Je te jure, j'ai lancé là-bas, il a dû me suivre jusqu'au milieu de la rivière, le bordel. C'est bon, t'inquiète. De toute façon, je te tiens. Oh là là, c'est la pêche sauvetage. Allez, mon Dieu. C'est quand même un cancer, ces herbes, hein. Ah, il suffit que j'ai pu ça et après c'est bon, on fait comme tout à l'heure. Tu vas peut-être arriver à le saisir. Oh merde. Non, c'est bon, regarde, c'est bon. Ça va peut-être le faire. Il est bien piqué de toute façon. Et j'ai juste, t'as vu, j'ai juste une branche, hein. Ce qu'il faut, c'est pour pas qu'il plonge. Yes, c'est pas mal. Oh, c'est pas mal là, tu commences à faire du bien. Monsieur Duss, ce qui ne va pas, c'est le planté de bâton. Le planté de bâton ne va pas du tout. Le planté de bâton, ouais. Le planté, ouais, le bâton, ouais. Ah. Oh, il est fat, celui-là. Regarde le fat. Fat boy. Eh, ça laisse tomber, c'est ma sauce, hein. Là, je crois plus au hasard. Oh la vache, la bête. Oh, cette bête. T'as vu, il fallait la faire, la sortie, hein. Franchement, je serais pas sorti si tu m'avais pas dit de sortir. Ah putain. Oh, laisse tomber. Oh, regarde-moi le bestiau, ouais. Oh la vache, t'as bien, hein. Putain, impeccable. Ah ouais, il fait 80, je pense, hein. Avec des leurres de 20 cm, hein. Ah bah voilà, il n'y a pas le code promo et tous ces youtubeurs casquettes merdiques, hein, avec leur leurre magique là, il n'y a rien de magique, c'est juste de la stratégie. Combien il fait? Combien? 77, 78? Ah, 77, ouais. Non, tu vois, pas encore 80. Ah, oh bah tu sais, si on prend. Attends, bien... si tu prends bien là, ici, là, celle-là, là. À mon avis, il est pas loin, hein. Ah, enfin, si, il est fait, 80 cm, bah voilà, bah, oh, putain, il est magnifique. Oh, il est magnifique, beau, il a de belles couleurs. C'est beau, c'est. Puis beau, il est gras. T'as vu comment ils sont en... formation au niveau de la tête, là, derrière la tête, là, je sais pas pourquoi. Ouais, on dirait qu'il est un petit peu abîmé, là. Mais purée. Oh, superbe. Oh, regarde-moi la bestiole. Allez, maman. C'est quand tu veux. Bah, elle repart super bien, hein, purée. Nickel. Oh, c'est pas un brochet! C'est un chevin! Un vif à silure! Putain, j'ai pas le saut! Un vif! Le vif est en moi!
Le vif est en moi, putain. Je passe un chevenne. Oh, cette blague. Merde, j'ai pas le saut, c'est abusé. J'ai pas... Oh, le beau vif. Oh, aïe, aïe, celui-là, il vaut de l'or. Ça vaut de l'or, ça. Mais non. Mais non. Oh, le mec. Oh, la vache. Eh, je suis fou. Je suis fou. Eh, mais regarde comme il est gras pour l'hiver. Ah, bah ouais, mais il bouffe, là. Il bouffe, hein. C'est pas de problème, hein. Oh, la vache, cette pêche. Je suis en train de faire une pêche de ouf, là. Tout à l'heure, je vais sortir un crapaud. Un crapaud au one-up. Inarrêtable. Eh, folie meurtrière. Killing spree. Bon, bah, toi, je vais te relâcher, mais je peux te dire que j'aurais eu le saut. Oh, bah, là, je le gardais. Oh, merde. Oh, là, oh, bah, le release, il est bon, là, il est bon. Lol. Ah, tu vois, regarde, ça, c'est tout seul. Tac. Allez-vous. Poisson! Oh putain! Oh ça me déroule! Oh ça me déroule! Premier lancé! Premier lancé, au revoir! Il est fou! Non, c'est un broc! Eh, je te dis, je suis en train de. Je suis un massacreur! Oh putain, c'est. Wow. Non, c'est que d'énergie! Oh, oh, oh! Mais attends, il est encore plus gros que l'autre! Hein. En tout cas, il a du poids encore! Oh là là. Oh, le coffrage. Oh. Ouais, je vais pas forcer parce qu'il va me couper sinon. Ouais, il est plus gros que l'autre. Je pense pas qu'il soit plus gros. Par contre, tu sais, avec le courant, quand je me suis pris courant au sein. Bah oui, j'ai vu la canne et puis ça a déroulé comme je sais pas quoi. Oh purée, fais, bah, ça y est, le one-up, c'est fini, il y a plus de one-up. Attends, pour le faire, c'est là. Ouais, c'est bon. Mais c'est le. Oui, j'avoue. C'est du coffrage de l'extrême. Attends, oh là là, il est pris. Il est, oh là, il est tout enroulé. Il est en PLS là. Mais il a ton fil qui est enroulé par contre. Oh, c'est pas grave. Attends, ça va le faire. Oh si, il est beau quand même. Hein. Oh si, il est beau. Si, si. Il y a quasiment 80 encore. Oh superbe. Oh si, si, il est fait. Si, si. Oh là là, regarde encore ce beau bestiau là. Ah, oh, il m'a fait une attaque lui. Il y a du poisson d'actif, chef. Ouais, hein. Ah, là aujourd'hui, regarde le ventre encore. Oh, le ventre. Incroyable. Incroyable. Oh, putain, c'est beau au bout de la queue. Il fait. Chef, 79. À peine 80. Allez, 79. Bon, allez, allez, on va rester correct. 79. Allez. 79 de bonheur. Ah, par contre, tu vois là, le one-up, c'est fini. J'ai plus de one-up. One-up. Voilà. Tac. Nickel. Donc bah voilà, encore un petit broc, pas loin de 80, impeccable. 79, bon, comme ça tu feras des petits arrêts sur image, tu m'enverras ça sur Instagram. Bon allez, on va le remettre à l'eau. Le release. Rapidos, oh c'est que des beaux brochets. Allez, regarde. Zou, ça repart. Allez, hop. Le fichon, non, le contrôle. C'est un bébé. Filmé. Le contrôle, attends, je viens mon. Le contrôle du fish. Toi là sur la zone, bien fait, t'as raison d'insister, tu vois, moi je m'arrêtais. Oh, il est beau quand même. Hop là. Il est là, monseigneur. Petit poissonné. 70 minimum, ça c'est sûr. Il est fait les 70, ça c'est certain. Oh, pardon. Combien? 48. 50, hein, c'est pas terrible, hein. Franchement. La maille, hein. La maille juste. Hein. La maille, hein. Non, tu vois, 70. Bon, ah, il est vendu 70. Allez. Il est vendu. Vendu. Non, mais c'est bien parce qu'on a fait aucun en dessous de 70. Nickel, puis attends, on va mettre avec moi. Oui, si vous voulez, oui. Oh nickel celle-là, putain bien, tu l'as bien mis dans l'angle. Ouais, regarde, c'est bon ça. Attends, moi, bouge pas, il y a l'autre photo là-bas. Qu'est-ce que c'est? C'est bon? Eh ben voilà, on termine bien. J'ai tout en caméra logiquement.
Yes, nickel, propre. Eh ben, on a fait notre session brochée, écoute, hein. On sort avec 5 poissons. Bon, eh bien, vous avez pu voir dans cette session donc, que la fermeture s'est très bien passée. Donc, je l'ai faite avec Joe. Hein. Joe que vous verrez sûrement dans de futures vidéos parce que je pense qu'on fait un très bon binôme de pêche. Et franchement, ça se passe super bien. On aime bien rigoler ensemble, partager ensemble et pêcher sans prise de tête, tester des trucs, etc. Donc, on se retrouvera pour des pêches du bord avec lui, sûrement aussi les pêches en kayak hein, lorsque ça sera la réouverture, bien sûr, de la pêche au vif. Ce que je peux vous dire déjà d'ores à présent, c'est que je pêche aux tripes et aux abats de volaille. Donc, grâce à l'accord de la Fédération d'Indre-et-Loire, que je remercie encore pour l'approbation de cette technique, certains d'entre vous ne sont peut-être pas au courant, mais j'ai déjà touché mes premiers silures depuis le 1er mars, dont un spécimen exceptionnel, donc je vous montre en photo. Donc, j'ai fait un 2,50 m aux abats de volaille sur le bord. J'ai touché trois autres silures de 1,85 m, 1,75 m, 1,45 m, et j'ai eu quelques décroches. Donc, pour le moment, je suis, on va dire, en apprentissage, mais je ne m'attendais pas à faire un tel spécimen d'entrée de jeu. Donc, voilà. C'est bien pratique la pêche aux abats et je pense que je vais la mettre en pratique carrément toute l'année. Peut-être aussi en kayak au bouchon ou en technique de kayak posé. Je verrai un petit peu ce qu'on pourra tester comme nouvelle invention. Donc voilà, je vous remercie à tous pour cette vidéo. Je vous remettrai quelques vidéos peut-être chevennes avant la réouverture prochaine et des tutoriels. Si vous avez des idées de tutos, si vous avez besoin que je rappelle les montages au bouchon, montage chevennes, montage aux abats ou quelque chose comme ça, n'hésitez pas à l'espace commentaire. Je referai un point sur l'aquarium évidemment quand je repêcherai des vifs. Ça sera plus vers le 1er avril quand j'aurai ma première semaine de congé. Je vous montrerai comment je remets mes aquariums en route, comment je les ai nettoyés, etc. Donc voilà, je vous remercie à tous pour votre attention pour cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Merci encore. Ciao tout le monde.